Les kakis bleus annoncent la reprise des cours de l'année scolaire 2024-2025, du lycée 28 novembre à l'école primaire Soproji, en passant par le collège de Mukondo. Le ministre Jean-Luc Moutou s'est rassuré de la présence massive des élèves et du corps enseignant. Une rentrée effective grâce aux efforts du gouvernement qui tient compte de ses missions régaliennes. Le gouvernement de M. Anatole Kolinet-Makosso, sous la très haute supervision de M. le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est à la manœuvre. Et vous avez vu avec quelle prouesse un certain nombre de situations ont été rattrapées en cette rentrée des classes. Et promesse a été faite également aux enseignants communautaires pour qu'un trimestre soit très très rapidement payé. Et pour que, également là, en ce qui concerne les enseignants bénévoles et finalistes, des mois leur soient payés pour leur permettre eux aussi de retrouver leur dignité et de retrouver leur métier et leurs écoles, et pour qu'ensemble nous puissions participer à la construction de notre système éducatif et au renforcement de sa résilience. Un sentiment de joie pour ces élèves de retrouver leurs camarades de classe et surtout de commencer déjà avec les cours. Je suis très contente d'être le premier jour à l'école parce que c'est un jour très spécial. On fait souvent des révisions et ça peut m'apporter un plus. On a débuté des cours, donc je tiens à dire que les cours ont débuté. À la maison, je m'ennuie trop. C'est pour ça que je préfère mieux venir à l'école. En retrouvant mes amis, les maîtresses, les cours m'ont manqué. Les enseignants, quant à eux, lancent un appel aux parents d'inciter les enfants à commencer avec l'école dès ses premiers jours de la rentrée scolaire. Car le plus long voyage commence par le premier pas. Pour ceux qui sont encore à la maison, je leur demande de venir dès demain parce que les cours ont bel et bien commencé. La rentrée a été effective aujourd'hui comme l'avait signifié le calendrier ministériel. Donc aujourd'hui, 1er octobre 2024, la rentrée a bel et bien eu lieu. Pour ceux qui sont là, sûrement les parents ont dû préparer avant, mais pour la majorité des parents, c'est un peu difficile, donc on comprend. Donc la rentrée est certes timide, mais les élèves continuent à venir. Pour une meilleure année scolaire, le ministre en charge de l'enseignement général appelle toutes les plateformes syndicales à une bonne collaboration.